Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, le premier vlog de 2023. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est à la montagne. Nous sommes à la station de Réalon pour le week-end. Donc là, ma copine est partie sur les pistes faire du snow. Moi, je suis parti en rando, faire un petit peu du repérage en forêt et essayer de faire un petit peu de ciné-whoop dans la forêt parce que j'ai le ciné-whoop, le storm. On est en HD. Maintenant, c'est la folie. On va pouvoir s'éclater à fond. Donc maintenant, on va pouvoir exploiter 100% des capacités des drones car je ne vais plus voir les branches fantômes, du moins. On va moins en voir. Après, on va prendre le télésiège à pied et on va aller sur les crêtes qu'il y a tout là-haut. Je pense que vous les apercevez derrière moi, non, parce qu'il y a le flou. Sur les aiguilles en haut ce soir avec le coucher de soleil. J'espère qu'on va pouvoir faire le coucher de soleil, ça va être magnifique. Je vous en dis pas plus, je vous laisse des petites images comme d'habitude et on se retrouve tout à l'heure, c'est parti. Bon les amis, après avoir volé ce matin en ciné-whoop dans la forêt, c'était très sympa, je me suis régalé, j'ai fait deux petites lipos dans la forêt, on a vu des chiens de traîneau et tout, c'était super sympa, une ambiance trop cool. Là, on a pris le télésiège en mode piéton pour moi et en mode snow pour la cadreuse derrière la caméra. Et on se dirige direction les aiguilles de Chabrières, donc le spot que je voulais absolument faire ici. Dans cette station avec une vue sur le lac de Serponçon derrière, enfin, ça va être incroyable. J'ai mon petit Storm qui est enfin en HD. On va tester tout ça et on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. C'est parti! Bon petit bilan rapidos de ce qui vient de se passer. Je pense que je suis un peu un boulet quand même. Non, il y a un truc, c'est pas ma faute, je sais pas ce qui se passe. Donc déjà j'ai fait du storm, donc je suis parti en HD avec le storm. L'image nickel, pas de pixels, nickel et tout. Mais quand j'étais en haut, même déjà à 50 mètres et tout, je passais, j'avais les channels, le channel qui passait en, les barres passaient en rouge. Donc je sais pas ce qui se passe parce que le Air Unit il est en 1002, j'ai des antennes trop RC. Donc je sais pas si ça vient du fait que les antennes, les adaptateurs que j'ai mis, ils ont déjà été utilisés et du coup ils sont fatigués. Donc je vais essayer de remettre les antennes d'origine et voir si j'ai toujours ce problème parce que bah je sais pas. Pourtant j'ai fait des dives alors que j'ai vraiment été abruti pour le coup parce que j'étais en haut, les barres étaient au minimum mais j'avais une image nickel. Donc je sais pas ce que c'est ce problème. On va essayer de le régler mais j'ai quand même fait une lipo en Stormbreaker et en vrai ça va, c'est pas mal, j'ai des belles lignes mais je suis un peu frustré, donc je vais réparer ça ce soir à la maison. On va revenir demain. Surtout qu'il m'est arrivé une deuxième couille. En fait, je comprends pas. J'ai sorti mon R2S et normalement il y a le petit câble à l'intérieur pour pouvoir brancher au téléphone. Il n'est plus là et je ne sais pas du tout pourquoi il n'est plus là parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, je ne l'ai pas sorti. Je le remets toujours là et comme un con, je n'ai pas mon câble d'iPhone, le chargeur que je peux utiliser aussi à la place. Donc je me retrouve comme un con à ne pas pouvoir faire de ma vic et ma copine n'a pas son câble non plus. Donc là, elle est carrément partie en snow en bas de la station pour voir si au proxy elle peut pas acheter un câble. Et au moins que je puisse faire du Mavic aujourd'hui avant de redescendre et quand même faire un peu de drone. Mais niveau FPV en Storm, je pense pas que je vais repartir. Là, j'ai tout rangé parce que en vrai, je me cague de le perdre en fait. Alors que sinon, il vole tellement bien. Là, je l'ai remonté avec une F7 T-Motor HD. Il a le top du top au niveau des composants. Ça vole tellement bien. Mais il y a ce problème du coup de réception vidéo qui bug. Donc voilà, il va falloir que je résolve ce problème. Je vous retrouve plus tard pour la suite des aventures du coup. Et on va voir si je vais pouvoir faire du Mavic. Allez, c'est parti.
ben voilà les amis, c'est une fin de journée, nous sommes de retour au village, nous sommes donc à Saint-Apollinaire et juste en face de la maison nous avons ce petit spot magnifique, cette petite église perchée sur sa colline, littéralement à 30 mètres en face de la maison avec la vue sur le lac de Serponçon derrière et le pic de Morgon pour ceux qui se souviennent, il y a 2 ans sur la chaîne on était parti avec l'équipe Félix, Laurent, Elliot et Paul Lou, on était parti en expédition dans le coin et on s'était fait une journée là-haut, c'était bien sympa, ouais, et Félix avait même perdu son drone à la chapelle juste en bas, voilà. Bon, je vous laisse des petites images et on se retrouve demain pour la suite des aventures, c'est parti! Bon les amis, deuxième jour ici, toujours à Réalon. Nous sommes revenus aujourd'hui pour prendre la revanche du coup d'hier sur les aiguilles de Chabrières. Là je suis actuellement en train de voler en Mavic, j'ai volé en FPV et effectivement le problème venait bien d'un petit câble. Donc c'est un peu gitant ce que j'ai fait, c'est que bah, regardez, il y a une antenne TrueRC et une antenne DJI. Voilà, j'ai un peu réparé comme je peux, mais ça marche nickel, j'ai fait des beaux dives dans la paille, c'était incroyable. Et là je suis en train de voler en Mavic, car cette fois-ci j'ai le câble, pas deux fois la même erreur. Et voilà, donc on s'est régalé, c'était la revanche que j'ai pu prendre aujourd'hui, je suis bien content. On va descendre manger au petit restaurant d'altitude juste en dessous et après on ira direction le lac de Saint-Apollinaire pour finir la journée là-bas avec quelques petits plans en drone aussi avant de rentrer à la maison. Voilà, je vous laisse toujours des petites images et on se retrouve tout à l'heure, c'est parti. C'est une fin de week-end, ça y est, nous terminons notre petit week-end à la montagne. On vient de finir avec un petit lac juste au-dessus du coup, le lac de Saint-Apollinaire. J'ai eu un créneau pas très long pour voler en cinéo parce qu'il y avait toujours du monde qui arrivait tout autour du lac. On est dimanche et il fait super beau, du coup bah, c'est des petites balades dominicales. Du coup j'ai trouvé mon petit créneau pour faire mes deux petites lipos en cinéo et on est redescendu un petit peu plus bas sur le chemin pour faire la conclusion de ce vlog avec une jolie vue sur Serponçon et le pic de Morgon que vous avez vu hier du coup, mais il y a quelques minutes dans la vidéo. Du coup voilà, c'est une fin de vlog. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ces petites aventures vous ont plu. Moi je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao l'équipe.